Bonjour et bienvenue sur Canabusud Gaming pour un nouvel épisode de Shade. Trouver la plage de sable groin. Voilà. J'essaie de rattraper le retard parce que bon, ça avait encore crash. J'essaie de rattraper ce que vous aviez déjà vu. Et puis, j'ai trouvé cette petite plage. Fort charmante au demeurant. Ce qui me fait penser que maintenant qu'on est dans le Riffland, j'ai du boulot moi dans le Riffland normalement. Artiste à louer. Oui, non mais cool, d'accord. Les quêtes. Ah, j'ai plus que ça en actif. Bah dis donc, j'ai été efficace. Où est-ce que je les avais vus? Ici. Une arche naturelle. Je souhaite acheter un paysage. J'aimerais que une arche naturelle. Caverne étoilée. Un moulin à vent. Ce qui est répandu pour en moindre mes yeux. Normalement, je devrais en trouver un. Et là, ces pierres oubliées qui se dressent solitaires. Et les ruines. Ok. Ok. On va trouver ça, petit bonhomme. Oh! De la cagette, du bois de cagette. Hein. Bois de cagette, on sait, c'est la vie. Hein. C'est sérieux que je remonte, je vais rester sur la plage un peu là. Hein. Ouais, on va continuer notre petit tour sur la plage, voir s'il y a autre chose. Comme des cagettes. Ou du tissu. Bah aussi. Et je préférerais des cabochettes. Avec, bah du coup, la découverte de notre nouveauté, donc le côte d'ivraie. Hein. Maintenant, j'ai de quoi faire du côte d'ivraie. Trop bien. C'est trop bien. Ouais, 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 ouais. Tac. Alors j'ai légèrement réaugmenté la capture parce que le jeu me paraît un poil plus fluide. Donc vous me direz si c'est mieux comme ça ou si ça saccade ou si ça saccade trop. Parce qu'on sait déjà que ça saccade de base. Hein. On sait qu'aujourd'hui je peux plus rien tourner sans que ça se mette à saccader. Notamment mon prof me dit foutez-moi la paix. Cassez-vous. Il aura tenu hein, mon petit PC. Hein. Il tient encore. Hein. Avec une cagette. J'ai trouvé la tour ouest. Oui. Pas monté dans la tour ouest. C'est plus petit que les appartements de l'autre, hein. Tu mets même pas un lit là-dedans. Oh là là. Alors, je pense que ce jeu est une dédicace à... C'est vraiment un hommage à Morrowind. C'est vraiment, on sent la touche, voilà. Morrowind qui était finalement déjà du Donjons et Dragons sans licence et finalement Ishade c'est du Morrowind mais sans licence quoi. Ah, ouais, j'ai tout récup. Il y a un petit chemin là. Ok, on va prendre ce petit chemin. Alors, on pourrait prendre ce petit chemin. Oh, bah voilà! Des ruines, allez! Allez! Bon, on y va. Hein. Ouais, il y a une plante là. Ah, moi je récupère tout. Hein. Je suis désolé, mais moi je récupère tout. Hein. Très bien. Très joli! Est-ce que si je le peins de là, ce sera valide? Parce que là, d'ici là, avec la lune, c'est le gros sway. Hein. On t'en dirait, ouais, il y a les arbres en trop, machin, machin. Mais... Là, il y avait une petite lumière. Moi, j'ai envie de peindre ça, tu vois. Voilà. Petite peinture des ruines du Riffland. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit plus large. C'était très joli. Finalement, on a les arbres qui sont un peu sans trou, mais pourquoi pas? T'as l'impression comme ça, vu de loin, comme ça que j'ai peint des arbres. Alors, en fait, les arbres ne font que, comment dire, frêlement dissimuler le sujet, ainsi que les deux, la lune et son soleil. Incroyable, incroyable instant de poésie.
faut que je finisse par dire quelque chose qui tâche, donc bah sauce, parce que la sauce ça tâche. Ça fait plaisir. Vraiment ça me fait plaisir. Pas que je tourne des épisodes le matin comme ça. Je suis pas prêt psychologiquement. Wow. Tissu. Ah et s'il y a une cagette hein. Moi je suis à la recherche de la cagette là. La sainte cagette. Il me faut la sainte cagette là. Donc il y a pas d'ailleurs des trucs que j'avais déjà prépeints. Ouais, il y a déjà plein de trucs. Enfin, il y a déjà un autre truc que j'ai peint. Il va me manquer l'arche naturelle et la caverne étoilée. Caverne étoilée. On trouvera ça. T'es plus peinte, t'es détective quoi. Ouais, j'ai fait un rêve, je vois une caverne étoilée. Attendez, je vais faire le tour du monde pour vous trouver votre caverne étoilée. Connasse. Les falaises du Rifland. Alors attendez, parce que moi il faut que je peigne un moulin Zef. Mais, MIS. Il faut que je peigne un moulin Zef. Et, mes dernières volontés. Un arbre géant, une vie depuis les falaises de Rifland, l'autre cime de l'île, et une vie depuis le sommet de la tour commune de la tour principale. Quoi? Il n'y avait pas un moulin avant là-dedans? Je sais pas lire. Excusez-moi, je ne sais pas lire. On recommence. Tu voulais un arbre géant, une vue depuis les falaises de Rifland, la plus haute cime de l'île, et une vue depuis le sommet de la tour commune de la ville principale. Oui, c'est bien ça. Il manque... Ah, attendez. Je crois que je tiens un truc. Je crois que j'ai compris en fait, il y a une virgule à un endroit, en fait c'est faut une vue de la plus haute cime. Et il me faut... Oh, calme-toi. Et il me faut un moulin à Zef. Rampe là-dessus. Yes. Yes. Bon, on va prendre une petite photo de famille. Hein. Allez, c'est parti. De toute façon, c'est le moment où on peut se permettre là de gaspiller quelques tableaux. J'ai fait un tableau pour rien. Ah non, peinture en mémoire de votre mère. Mettez ce tableau à l'abri dans votre menu peinture. Parfait. Pouf. Tu es là. Je vais vous peindre par-dessus. Non, je veux pas revendre par-dessus. Je veux le keep. Keep talking and nobody explode. Bon, le moulin c'est fait. Ensuite. La plus haute cime ça doit être là-bas, là, à partir enneigé. On ira. C'est promis, on va y aller. On va aller partout en vrai. Ouais, je sais même pas pourquoi je vous dis ça, vous savez déjà qu'on va aller partout. Un petit pont de voix. Oh, il y a un petit truc un peu sombre et obscur par ici, là, ça m'intéresse beaucoup. Oh, je devrais prendre mon moulin tant que j'y suis. Hein. Mais ça va attendre. Hein. Moi, j'ai vu un truc chelou, je vais y aller. Yes, on peut se laisser glisser. Non. Ah, on n'est pas une artiste non plus kamikaze. Sont pas très rigolos. Toujours pas accéder par là. Donc faut que je passe vraiment par la plage. Je peux pas passer par la plage. Attends voir là. Le truc, je l'ai raté quelque part là. Ah. Voilà. Disais-je aussi.
Oh, elle est sympa la nouvelle musique aussi. Ah bah oui, mais non, faut monter. Et là, on s'arrête, petite gorgée de café. Allez, on repart. Il est pas encore froid, c'est génial. Est-ce que ce serait genre, il faudrait que je mette mon radeau à la mer pour aller là? Parce que clairement là faut y aller. Hein. Moi je veux pas savoir, faut y aller. Oui, suicide. Hop là. Alors c'est devenu ma nouvelle énigme. Faut que j'y aille. Mais je sens que je vais faire bugger le jeu si je tente de passer par la mer. Je pense que c'est pas par là qu'il faut passer. Je pense pas que le jeu il sera d'accord. Je pense que le jeu il va me dire non. Il va juste me dire non. Je peux tenter hein. J'y crois pas. J'y crois pas, j'y crois pas. Et il vaut mieux faire une sauvegarde avant. Si j'oublie de faire ma sauvegarde avant que ça sauvegarde après. On recommence. Ah ouais. Viton de merder. Ça peut être bien. Ouais, on a encore trop. Faut vraiment que j'aille en bord de plage. Ouais. Alors, on va aller en bord de plage, c'est très bien. Un petit bout de bois, c'est magnifique. Hop là. Très bien, on fait une petite sauvegarde. Cool. Et on se sort le rafting. Canoë kayak. La barque. Pardon. Ok. Grimper à bord. C'est concept hein. Bon. On peut aller un peu sur la mer hein, visiblement. Même si là, à première vue la barque devient possédée, c'est officiellement c'est faisable hein. Dire que ça c'était peut-être une entrée de grotte que je l'ai peut-être juste pas calculé. Mais bon. Vu de là ça avait l'air d'être une entrée grande alors que tout à l'heure ça avait juste l'air d'être du décor. Moi je peux passer par là avec ma petite barquelette là. Oh, regardez le chemin de lumière. Suivez le chemin de lumière. C'est tellement fou, so amazing. Cric abrité. Ouah, de la cagette. On se fait un petit thé de cotivray. Allez. Pour faire du thé de cotivray, j'avais pas noté moi un peu les recettes là. Rien du tout. Excusez-moi. Les petits tétés. Les petits tétés. Oh, calmez-vous. Ah mais c'est le matin, moi je suis fatigué. Été classique ombragien. De petit
petite seconde, j'avais oublié de balancer un chrono, je balance. Voilà. Donc le cotivret, 3 cotivrets. Bon bah voilà. Ouais. Ouais, on peut pas faire mieux hein. Très joli. Avec tout ce qui s'est cassé là, y'a pas une cagette là? Genre, le pont il se casse et ça fait une cagette. Mieux, ça fait un tableau, direct, une toile. Hello! Excuse me! I desperately need your help! Please don't leave! Désolé, je dois partir. Bon, qu'est-ce qui se passe? I've been stranded in this cove for 2 days. Oh, if the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. I've been stranded in this cove for 2 days. If the old fisherman's ramp was still standing, I could have just walked out, but as it is, I'm stuck. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? My children and I were visiting Eastshade, and we went out on the ocean for some fishing, when a terrible squall capsized us and sunk our boat. I've been stuck here, worried to death about them. Ah oui, donc en plus de ça, t'as perdu tes gosses, ok. Désolé, mais je ne les ai pas vus. I must stay hopeful and vigilant. They must be okay. I just need to get out of this cove. Que puis-je faire pour vous aider? There's no way the two of us are going to fit in that kayak of yours. But that access ramp. If you could craft a rope out of twine, I think you could hang it from the end of the ramp. Je peux faire ça. Thank you. Oh, I'm so lucky you found me. À l'abri du vent. Et ben voilà, on va faire une petite quête. Mais d'abord, monsieur, je vais visiter votre grotte. Parce que... Oh, j'ai reçu le corps. Oula. Parce que si c'est ça, la grotte étoilée... quand il fait nuit noire, c'est le truc qui m'intéresse. Hein. Ah, on peut pas. Faut que j'aille en canoë et kayak. Oh, on aide d'abord le monsieur ou on visite, hein? Moi, vous savez, j'aime bien visiter. On va aider le monsieur après. Bon, il est pas à ça près. Bon, c'est gamin. Au pire, il en fera d'autres. Hein. C'est pas trop grave, quoi. Bon, s'il en fait pas d'autres, ça fera toujours des couillons en moins. Voilà. Allez. Sans même Eyeshade, on est trop nombreux. Ok, on commence à plus voir grand chose dans son binou là. Ah, le petit bateau échoué dans la crique, hein, c'est quand même le gros style. Enfin, dans la grotte. Ça a pas l'air d'être ça, hein, sa caverne étoilée. Hein. Oh, moi je fais des efforts, mais. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais il y a encore un truc. Oh, mais il y a des trucs hein, dans ce jeu, hein. Ça a pas l'air. Hein. À chaque fois, je suis étonné parce que je me dis. Ouais, bon, bah ça ira pas plus loin que ça, tu sais. Oui. Ah, il y a ça vite fait, et puis c'est fini. Oui. Non, en fait. En fait, non. Ça fait pas très avenant, hein. Le caillou avec les pépites là. C'est pas le sommet de l'avenance, hein. Ouais, ouais. Faut avoir envie de passer par là quoi. Mais on fait ça pour du bois de cagette. Oh là là, le jeu, tu pourrais faire semblant de charger le jeu. Mais non, mais pas du tout. Oh, emballe. Voilà, du bois de cagette. C'est ça qu'on aime. Alors. Je sais pas s'il est censé y avoir des choses ici, puisque le jeu, semblerait-il, a décidé d'arrêter de charger. Vous savez que ça peut devenir problématique. Une boîte mystérieuse. Elle est verrouillée. Un nom est gravé dans le bois. Mev. Bon, je trouve un Philippe Mev. Ok. Ah, ben là voilà notre grande étoilette, c'est mort. Ok.
Pour moi, c'est ça. Oui. Caverne hurlante. Et si tu dis fromage là-dedans, les gens s'énervent. Ah, ce ne serait-ce point une source de chaude. Fiole vide. Ouais, je pense qu'on m'aurait vendu un objet de type torche si j'avais... Oula, je suis en train de glitcher dans le décor là. Il n'y a plus de hitbox dans le décor. Oh. Le hitbox n'a plus... Le décor n'a plus de hitbox. Oh. Bon, oh, c'est pas gentil de se moquer, hein. Ouais, comme ça, ça me paraît bien. Allez. Paf, ouais, on prend celle-là. Paf, allez. Caverne étoilée, tu l'as ta caverne de Séban. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ces crétins? Allez, prends toi. Allez, on continue. On continue par là. Parti. Eh hey, mais attendez, je suis un thug, pourquoi on se le fait à pied? Paf. Et bah voilà, pourquoi on se le fait à pied? Voilà. Oh, par contre on voit pas grand chose dans les pieds, c'est marrant. Oh, tu dois... Ah, peut-être obligé de faire un peu de parcours. Tu veux parcours? Oh non. Oh mais ça, le jeu est semi invisible. Ah non, c'est bon. Nice. Cool. Ok, donc on pouvait descendre sinon par ici en tyrolienne. On arrive dans la gorge de Rifland. Et là c'est très joli. C'est très très joli. Ah moi j'ai envie de la peindre. Allez, je peins tout là. Ah ouais mais bon. Non, ça sert à rien, il n'y avait pas besoin de la faire. Je m'en fous, je l'ai pas quand même. S'il faut, je retournerai arracher des herbes rouges. Voilà, pour pouvoir payer tout ça. Paf. Allez, on reprend la décane. Allez, going too fast and too focus. Crafty. Ah, on est thug, hein, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. On est complètement thug. Allez, on va quand même sauver ce monsieur. On va lui filer un petit coup de corde et puis ça va bien se passer. N'inquiétez pas. Ah, le monsieur, vous auriez pu m'apprendre à fabriquer des cordes, hein. Et des grappins. Toujours être utile pour cambrioler les riches. Ah oui, il y avait également ce petit... Waouh, je suis passé à côté d'une cagette. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'a pris? Oh la fatigue, hein. Il y a une autre cagette en bas, hein. je l'ai vu. Ah ouais, on va la récupérer d'abord la cagette. Rends la cagette aux abonnés. Mais rends la cagette aux abonnés, je te dis. Bon, on se le fait à pied pour que vous puissiez profiter un petit peu du décor. Et là, en haut, je trouve les gamins. Ah, c'est trop bien. Mec, c'est imperfect. Oh. Ah. Hein? Oh. D'accord, il suffisait de cliquer dessus pour se téléporter. Très bien. Très très bien, fort intéressant. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bah écoutez, hein. Je suis désolé, mais bon, on va faire un petit tour. Hein.
Ah, je rallonge l'épisode, hein. C'est terrible. Falaise de West Source. Eh ben, c'est très joli. Oh, il y a des herbes rouges. Regardez, de l'argent. De l'argent rouge. On l'appelle l'or rouge dans le milieu. Ah non, c'est pas du fer. On trouverait pas genre un super thé super spécial ici? Allez, je donne moi un super thé super spécial. Petite plante plantée là. Parce que bon, t'es clairement pas la cible la plus haute. Par contre, il y a une petite source. Il m'en reste plus qu'une à trouver. Je suis très content. Alors là, je suis très content. Pour le jeu, quand il n'y a plus qu'une source à trouver, je suis content. Parce que ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir monter en haut de Navin. Vous savez qu'on appelle bien sûr le roux. Vous l'aviez senti venir comme blague, faites pas genre. Ok. Tuc. Regarde ce qu'on peut récupérer, très bien. Bon, on a à peu près tout récup. Je vais pas insister non plus. On va être un con. Mais une arche naturelle, je suis cool, c'était ça. Alors je vous explique, on va faire demi-tour. Hein. En fait, je suis désolé, mais on y retourne. Parce que en fait, j'avais mon arche naturelle. Voilà, j'étais en train de penser tellement à mon moulin à Zef que je l'ai pas vu tellement c'était gros. Et j'ai mon arche naturelle, donc on y retourne. Regardez ça. Allez. Hop. Ah mais peintre de l'extrême hein. Oh. C'est vrai que j'ai un peu de respect pour ce jeu, sinon je l'aurais appelé peintre de l'extrême. Ouah, j'ai plus de toile. Ouais, j'ai quelques toiles. Pas moi ça. Quoi? Mais ouais, j'ai une arche naturelle ça. Oh bah tant pis, c'est pris. C'est pris. On reviendra s'il faut. Y a pas de soucis. Fallait peut-être la faire de plus près. Hein. La faire de pas. Je suis pas sûr. On verra, c'est pas priorité. Bon, ma priorité c'est d'aller sauver le monsieur là. Et de peindre un moulin sur le chemin. On va peindre un petit moulin sur le chemin. Pas comme ça quoi. On n'est pas des sauvages quoi. De toute façon on peut tout faire. Hein, voilà. Oui, mon petit vélo. C'est la gingerbe. Un peu d'abord, tout à fait. Allons voir ce joli moulin pour aller devant. Ouais mais j'aurais pas dû sortir, je vais avoir envie de descendre dès que je vais voir un truc. Ah, source chaude. Oui en effet, je l'ai trouvé ta source chaude, hein. Tout à fait. Oh. Oh excusez-moi, je ramasse tout. Ah mais c'est terrible. Je vais atteindre la collection de tes vues, vous savez, c'est terrible. D'ailleurs on peut s'arrêter là hein. Il y a des bouts de potes. Il y a quelqu'un qui voulait ça là. On peut lui faire hein. Voilà le moulin avant il est fait. Mais voilà ça merci. De la cagette, bien sûr. Évidemment, c'est bien sûr.
Ah, j'ai plus assez de tissu. Alors ça c'est là vraiment, ça c'est vraiment la blague hein. Ça c'est le truc quand t'as plus de cagettes que de tissu, t'as envie de rigoler. Hein. Je vais aller en acheter quoi. La blague. Et il faut que je retourne voir mon vieux monsieur qui est je sais pas trop où. Mais on va le trouver hein, vous inquiétez pas. C'est quand même pas très utile de. C'est pas très utile de mettre des moulins très loin des champs. Parce que je pense que quand t'es sur une île, du vent t'en as. Ah, ou alors c'est pour éviter d'avoir des vents qui tombent dans tous les sens, peut-être. Pour avoir le maximum possible de vent de face. Alors, chauffer une petite collecte d'herbes rouges. Hein. Notez avec attention. Je suis encore en train de farmer tranquillement. tranquillement. Hein. Moi que j'essaye d'inventer des sujets d'excuses à la noix. Allez, c'est parti. Mon gars, il est où ? On fasse cette tourbillon, c'est parti. On commence à se rapprocher d'un coin qu'on connaît. Ouais, cailloux, ruines, tout ça, ouais, c'est bon. On y arrive. C'est ça, il est là, ok. Ah, c'est parti, hein. Quand tu penses dans ton porgios, hein. On va sauver ce vieux monsieur, n'inquiétez pas. Je dis qu'il est vieux alors qu'il va monter à la corde. Hein. Comme madame viril et viril. Hein. Mais Wow! Plus d'en plus. Intéressant. Skyrim. Blanche libre. À la forge de ciel. Allô le jeu. Là le jeu. Bon bah des bisous hein, c'est comme d'habitude Gaming, les shades, à la prochaine, ciao.